La mission est grande. Tout un défi. Réussir le processus électoral, consulaire. Ils sont neufs à qui le gouvernement vient de faire confiance. Chers membres du comité d'organisation, vous avez une lourde responsabilité devant le gouvernement et le peuple béninois, en ce sens que vous devez tout mettre en œuvre pour conduire avec succès le processus électoral devant aboutir à la mise en place des nouveaux organes dirigeants de la CCIB, à savoir l'Assemblée consulaire et le bureau exécutif. À cet effet, je voudrais vous exhorter à accomplir votre mission avec détermination, professionnalisme, esprit de responsabilité et sens élevé du travail bien fait. Cette installation intervient après adoption le 25 septembre 2019 des nouveaux textes statutaires de l'institution qui impliquent des changements. Des améliorations apportées concernent la rationalisation, la simplification, la professionnalisation et la réforme transparente du processus électoral. C'est ainsi que désormais, 69 élus consulaires seront désignés en lieu et place des 99 avec l'implication de la Sénat et l'utilisation du vote électronique. Le processus électoral est ainsi enclenché et la phase de recensement commence le lundi prochain sous la houlette de la Sénat. Sont concernés les acteurs du commerce, de l'industrie et des services.